Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, débat Bande Konanga. Le peuple RDC contre l'arrivée de la police rwandaise. Bapoui Bango. Ata bosi bosien bako, ba Congolais balobi non, bokolanda débat Bandeko. Ça chauffe dans cette émission. Deuxième point, chers téléspectateurs. Oeza somo Bandeko Nangai. Opération phare de Sipidier, Nyamusi soutient action visant la paix. Et de l'autre côté, Bandeko, le parc Virunga, au voyage du parc à Bagoril, mais aussi des rebelles ADF et des groupes armés, n'a qu'à faire parc à Virunga. Alors, Bandeko, et ça, c'est mon émission, tous à la connecter, tout développant ensemble. Troisième point, Bandeko Nangai, mafia au sein de l'armée, FARDC, quatre officiers supérieurs et police nationale congolaise, condamné à 10 ans de prison. Bandeko commissaire et la police na 4 colonels Bandeko condamné à 10 ans de prison pour la mafia na 4 années. Makambango Bandeko ni bekukui. De l'autre côté, FCC de Kabila, division totale, Boyoka Dynamique FCC Makambalobi, Bandeko kuna ça chauffe toujours, bazo yo kanaka kate, entre dynamique progressive ya FCC, na bango, oyo, ba oumela ba mikolo ya PPRD FCC. Alors, toko développant une émission na biso. Alors, bande korangato, comme na premier point na biso bandeko, o baloba sa chauffe, awa, débat bandeko, le peuple ba tomboki, ba boyi, Baloubien, Bakouyati. Bameko expliqué, mais Bandeko débat ça chauffe. La police nationale rwandaise et la police congolaise ont signé lundi 13 décembre un mémorandum de coopération bilatérale dans le cadre de la sécurisation des frontières entre la RDC et le Rwanda. Le pacte de coopération a été signé à Kigali, au siège général de la police nationale rwandaise entre le commissaire général Dieudonné Amuli Bahingwa et son homologue rwandais, inspecteur général Dan Munyusa, renseigne le site officiel de la police nationale rwandaise. Selon le compte rendu de la police rwandaise, le protocole d'accord oblige les deux institutions de police à unir leur effort contre la criminalité transactionnelle organisée et le terrorisme. D'autres domaines de partenariat incluent expertise et le partage des renseignements. Toujours selon le site officiel de la police nationale du Rwanda, le commissaire général Dieudonné Amuli s'est dit convaincu que la signature du mémorandum conjoint renforcera les efforts congolais et rwandais dans la lutte contre toutes les formes de criminalité organisée, transactionnelle et transfrontalière. Bandeko, tolanda ki makambo nyos. Tolandi na ba réseaux sociaux, mais awa tento clarifier ba Congolais na débat oyo bokoyoka. Ba Congolais ba sepelite contre oyo. D'abord, selon la Constitution, commissaire à police a ko ke ne ko signe ba contrat wana te. Moutako siyan waza ministre d'État, ministre, vice-premier ministre, ministre Rabisso, Daniel Assel. Ye moutako kende, ko siyan na ministre yakuna. Wana za premier point, eza djakito kote. Deuxième point, akoro nenge salami, Bandeko ebele ba pesi ba point de vue na ba. Bandeko, et ce moment quoi trahison mon boy entourage à Fachi, il y a trop de bateaux qui ont trahi Fachi dans Ndenga Mukiti.
parce que ça ne peut pas se faire na ndenge oyo ezolo bama bandeko e bandeki banda kalabiso chetonto yeba muzindo na yango. Donc situation au niveau ministère de l'intérieur ils ont créé dernier des problèmes et polémiques. Tu es que mamsu ezolo ba meza malamuti. O leke ba loba ke to boyar me ba ya, me ba zo sa peuple ke kout armé na police na bango déjà baza na katia Rwanda Goma partout. Ko tia peuple mouté ma passe. Ils ne sont pas encore. Et sa délégation na bango bazo discuter si ndenge nini banga ba travail. Mais ba congolais ba boy. Signature des mémorandums de coopération entre la police de la RDC et du Rwanda pour la sécurisation des frontières. Sécurisation des frontières, ils ont m'abêté. Mais pourquoi ils ont à côté de la pourquoi la police n'a pas été à côté de selon qui vote dans l'Assemblée nationale et partout, mais ce qui est la police n'a pas été à côté de la nombre. Si vous formez les policiers, vous êtes à côté de la bon former ma policier. Situation ya Rwanda est plus grave que situation ya Uganda. Agression ya Uganda est salamaka. Ya ba Rwanda est plus grave. Les lots subissent les abus pour Rwanda. Ba Congolais ba lingia ngote. Et je sais ba conseiller à chef de l'État. Mais à contrat on va signer bâti canaba. Ils ont crié ma bédon et pèse pena qui t'occupe. Pourquoi? Tu ne peux expliquer. Rwanda a zana réputation ma bé et pas ba congolais. Ba souvenir et bela ma bé et za ba rwandais. Ba ougandais ali me amingite ya ba rwandais de liki. Peuple loko la boui. Ezo Senga, ministre de l'Intérieur, a annulé Mbala Moko Makambu Oyo. Batu Oyo bazo kitsa crédibilité ya président de la République. Batu Oyo ba entourage a Fachi baza et baza malamuti. Tozo sepelati. Bazo pesa Fachi ba conseil a bien ti. Mais biso to alia toko tika président na biso ti. Pasa za président Oyo a yé. Azara makansi oyo tuni azara posa mbo makambo esila noki me boye bitango za na problem ezo senga na kote no bat moko a bien bazala bat moko so batu ba decision chef de l'état comprendre mbala moko bat moko baza be infiltrate bat moko baza pou me zo sala pasi tozala bana mboka neti Daniel Asselo a kote a Fachi Daniel Asselo ma décision wana eza malamuti. Erango yo parce que déjà peuple congolais azo sepelate. Déjà ba zo senga kutu yo démissionné. Donc situation Rwanda avant bo sala il faut qu'on joue ma précaution nécessaire. Ba congolais bazana ba souvenir ma beba otia la kobosa na yangote. Alors congolais na kati ya Goma amona o police rwandais na yi non. Bande kos eza situation moko ba Rwanda mutu ba créer makambu oyo. Pourquoi tozolo babo? La présence de l'armée ougandaise, les Rwanda baza ko banga ke ba ko coopérer na ba rebelle rwandais o baza na terrain na biso. Bandane ba ko tsaki ba. Bandane ba komsi moko na biso. Biso za bazo bate. Boko ya ko se suba congolais te. Tout de suite comprendre. Alors, débat au toyen en gros pour maqueler les DJs à Rosaka, on te la carte à réseaux sociaux. Alors, boyo ka dit, premier parti, nan n'denye ma kamango et zozala, ba vérité nango, bon après, tokoyo ka peuple congolais. Nord Kivu, le projet de police rwandaise et congolaise visant à établir une unité opérationnelle conjointe à Goma avec d'autres institutions policières régionales continue à susciter des réactions.
La dernière date est celle du député national Moïndo Kasekwa. Le lieu de Goma dit avoir adressé une lettre au ministre congolais de l'Intérieur hier mercredi, Bernardin Nyangi, pour expliciter la question. Un article que nous avons lu ce jeudi sur le site officiel de la police nationale du Rwanda indique que cette disposition est incluse dans un protocole d'accord signé lundi 13 décembre à Kigali, Rwanda, entre l'inspecteur général de la police rwandaise, Dan Munyuza, et son homologue congolais, le général Dieudonné Amoulibaïkwa. Ce protocole est mis en exergue par cet article, officialise la décision prise lors d'une récente assemblée générale des institutions policières de la région de Grand Lac à Kinshasa. Le député Moïndo Kasekwa estime que ce projet nécessite plus d'éclaircissement. Ma question au ministre de l'Intérieur consiste à savoir qu'est-ce qui explique la coïncidence de cet accord de déploiement de la police rwandaise à Goma au même moment où l'armée ougandaise a commencé la traque contre les FADN conjointement avec les FATC. Deuxièmement, en quoi la présence d'une police étrangère est préférable à la tentation de notre propre police? Pour le moment, nous n'avons pas réussi, malgré nos efforts, à obtenir la réaction du porte-parole de l'inspection générale de la PNC. Le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu se garde, lui, de tout commentaire sur la question. Goma, Bernard. Allez signer un accord dans un contexte suspect, surtout que, comme je vous l'ai dit, le gouvernement n'a pas encore clarifié l'incursion de l'armée rwandaise du 18 octobre dernier à Kérisoua Tenyiragongo. Il nous a été dit que la commission conjointe de vérification devait achever son travail. Rien n'a été fait dans le passé. Nous avons été Congolais, les compatriotes Abbas Mouima, qui avaient été enlevés par les forces rwandaises. Ça fait 3 ans, nous les trouvons. Donc, nous avons des litiges qui ne nous permettent pas d'accepter que le gouvernement aille signer des contrats à Katimini sans que nous puissions exiger de ce gouvernement des explications claires, parce qu'il en va de la souveraineté du Congo, il en va de la sécurité des personnes et de leurs biens sur notre territoire. Professeur Chobert Raguinunga, professeur à l'université de Kisangani, vous êtes spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique, de sociologie militaire. Professeur, quelle lecture vous faites de la signature de ce pacte de coopération entre la police nationale congolaise et la police nationale rwandaise? Professeur Chobert Raguinunga? Je crois qu'on a perdu le prof Aguenonga. La réalisation va essayer de le rappeler. Professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour le pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Votre lecture sur la signature de ce pacte de coopération entre la police nationale congolaise et la police nationale rwandaise? Je pense d'entrée des jeux que peut-être qu'il n'y a pas eu une réflexion à court, moyen et long terme par rapport à cette décision, à cet accord. Peut-être une réflexion à court terme où on aurait certains effets peut-être immédiats. Mais je ne pense pas personnellement que ce soit la bonne solution. Pourquoi? Parce que si nous prenons comme l'honorable Kasekwa l'a cité, dit l'article 182 de la Constitution, là on parle de la mission effectivement de la PNC, mais je vais un peu plus loin. Si vous allez dans l'exposé des motifs de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, du 11 août, il y a un point très important. À part le fait que la police protège des personnes et leurs biens, la préservation de droits de l'individu, mais on insiste, c'est le socle de la démocratie dans un pays. Je précise, c'est le socle de la démocratie dans un pays et c'est un gage pour le développement de la nation. Ça, c'est l'exposé des motifs. Et on va à l'article 187, effectivement, de la Constitution, où on précise que la PNC et l'armée, naturellement, sont des institutions plutôt pour la nation. Ce n'est pas pour un individu, c'est pas pour le président de la République, ni pour le premier ministre. Donc ça doit jouer un rôle pour la nation. Article 187 et 188. Ce qui fait que, depuis les indépendances en 1960, j'ai l'impression que
effectivement de protéger tous les Congolais et capable de protéger non seulement les personnes et leurs biens. Parce que là, ce sont des aveux, effectivement, d'échec. Mais j'ai compris, à l'Afrique, effectivement, comme on a beaucoup d'autorité morale, on blague un peu avec des questions trop fortes. Ça, c'est une question sensible, importante. Je causais un peu indirectement avec beaucoup de policiers et des gens de la sécurité. Bah, peut-être que tu n'arrives pas à les dire au président de la République, au ministre de la Défense et aux autres ministres, mais qui sont désolés. Certains, je précise, c'est un peu comme si on ne les considère pas, qu'on a un problème de politique de sécurité. Et les moyens, vous les avez où ça va, hein, ça va, il y a des corruptions sans jour, etc. Et je suis désolé, si on parle encore de voyage, c'est là où vont les moyens. Alors, professeur Dadi Salé, on parle de plus en plus de la criminalité transfrontalière. Est-ce que cette mutualisation des forces avec la police rwandaise, pas seulement la police rwandaise, la police de la sous-région des Grands Lacs, n'est pas une bonne initiative pour mettre fin à cette criminalité? Je pense effectivement qu'on peut se poser la question autrement. Parce que la réponse facile peut être oui. Ça peut mettre fin à cette criminalité. Mais si on se pose une question de fond, pas de forme, qui exactement est responsable de cette criminalité, madame? Et le peuple est en train de nous suivre. Parce que si parmi les responsables, et je pèse bien les mots, si parmi les responsables, vous avez le même personne avec qui vous voulez nous toiser, parce que je vous dis directement ou bien indirectement, directement la responsabilité du Rwanda est là. Nous avons des forces négatives en République démocratique du Congo, tout le monde le sait, et beaucoup de groupes armés. C'est officiel. C'est là. Indirectement, nous avons eu des incursions, ça va, à la dernière nouvelle il y a quelques mois. Indirectement, ou bien là, c'était directement aussi. Nous avons eu des rébellions soutenues par certains de nos pays voisins. Indirectement, il y a eu la guerre de Kisangani et tout ce que nous savons. Madame, qu'est-ce que nous voulons comprendre? Est-ce que vous pensez que c'est vous qui serrez source de criminalité peut maintenant venir éliminer cette criminalité. Alors, bande de Konanga, donc, Batoubaza, Mite, Mezuki et tout ça, mais, voilà, on a le cas de député, voilà, on a le professeur, Bazoluba. Tant que tu as eu le peuple, et que tu as eu le peuple, tu as eu le peuple, tu as eu le peuple. Mais, déjà, il faut que les gens soient en train de se faire. Il faut que les gens soient en train de se faire. Il faut que les gens soient en train de se faire. Il faut que les gens soient en train de se faire. Il faut que les mais l'autre aussi, on a des Congolais. Bisso, tu soutiens ka oya bien. Soto mori kambo ya bien te to loba. Ndenge oyeza. Mais l'autre boya kanini. Au lieu de soutenir mboka, tu zo loba mabe, tu zo pelisa moto, mais tu ko avance na pays oyo ndenge nini. Tu ya kana ba débat oyo pour te comprendre bisso nyonso. Ma baisse à est-ce que ministre de l'Intérieur Moutazana faute? Non, parce que ministre Yazo dirigeait le département. Donc, avant police, avant commissaire général de la police Nabissou, Amouli, Baïko, Akati Sati, Nangamba Rwanda, Daniel Asselou, tout courant et tout ça. Il n'a pas le droit de policier mi balé ba siye ma kampo na moka. Et pas seulement ça, batou yo. Et ça clarté, bandeko. Et l'on est au lac, c'est que bangonyo so basa ba police. Batou ba linga ka bisote. Et qu'on appelle ba soda ba lette mon kazaka ba police, yo ye bande. Et qu'on appelle armée rwandaise, a latine kazaka ba police, pourquoi tu zolo ba bon? Pourquoi tu zolo ba ke koza la armée? Parce que bango bazo banga présence ougandaise na sol la biso. Et ya okoma bagarre bitumba entre Uganda na Rwanda na kati ya terrain na biso. Bango bazo yo kanati. C'est ça le danger. Bango bazo yo kanati. Bazana ba problème na bango. Biso za ba problème na biso to monaki mutu mota ekoyede biso.
Rwanda est quoi débissoté. Ouganda de l'autre côté, Ouganda y est parce qu'il y a biki, il est pas attaqué. Donc, et ça grâce pour la EDC, tous les bons samongouna moko, bande koana basabi bunde le collègue biso. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Na ba situation. Problème c'est quoi yo? Peuple a lukaiyé baba si antira ou esarami koma. Ndenge ni ne salamaki. Ezara ki ndenge ni. Bande kolere grave. Peuple azana kanda ko sakana na ngoti. Ane oyo avato sili sa ane. Bande koma kamozo salama. Ezaka mpo bazulu kamobulu na mboka. Meko simbati. Biso to bana ko soutenir Fachi to ko pese conseil. Il y a des erreurs. Azamu tu me batou bazar pembe naye. Baza ko aider président de la République. J'espère bande ko bele baza d'accord nangai. Parce que bango ba yebi mieux ndenge nini ba congolais to linga kali solo ba voisin oyote. Na makambo ba sala biso. Na oye salama na mboka na biso ba kongole ba lingi yanguti. Yango, bazo ganga ki agenda kache tout sa sedani. Eza nango simple. Ba verite zo bima awa. Boko yoka pepla kolupa. Boko yoka bande kebele ba kointerveni. Le problème ki e la, ba tretre baze bile. Mais police nationale congolaise eza na batmoussou ba akuna toza na confiance na bango penate. Pourquoi toza na bango? Ebele ba sali 18 ans na kati ya police nationale congolaise. Ebele ba travaille na Kabila. Ebele ba travaille na gouvernement du Bosso. Batwa na nyonso ils ont détruit le pays. Ce qu'on tango bazwa koupe sa ba ide a boui. Il faut quand même. Boye ba, bandeko. Eza lokolo yebi ke sona sali kambo peuple anga kotomboka bango ba yebi en avance ke likambo congolais monta ko sepela nango. Ça c'est notre pays ya onto ya kana be mission pour ba congolais ba comprendre siko tolanda débat oyo sa chauffe bon to continue mission na biso Ougane Mungwaju et Gabriel depuis Kisangani province de la Tchopo. Il y a à boire et à manger dans la signature de ce pacte de coopération entre la RDC et le Rwanda. Une question que je me demande, quand les Ougandais n'étaient pas sur le sol congolais, cette idée de patrouille mixte entre la police rwandaise et celle de la RDC n'existait pas. Mais pourquoi seulement concrétiser une telle idée pendant que les relations entre l'Ouganda et le Rwanda ne sont pas en bon terme? Mais aussi, est-ce que le Parlement a-t-il autorisé cette intervention et mieux examiner le contenu de cet accord? Et si, dans la mesure du possible, ces deux forces créent des troubles sur le sol congolais, comme c'était le cas à Kisangani, qu'adviendra-t-il? L'histoire ne ment pas. À un certain niveau, nous devons apprendre à être grands et à faire confiance de nous-mêmes. Ces interventions sont bifaces. Allo, bande kotolani de Kouana? Bango ba viva yamuna Kisangani. Anobi. Makambu oyo, pourquoi baye kosala ngo kaka l'air oyo arme ugandese bazana tere. Bango kuna bayo kanakate bango na bango. Bango kuna bazo potana deja na ba problem na bango. Biso koto yo, to sola ba ugande na makamu na biso. Ba Rwande balimbala na ba ugande na kata tere, po bango pe ba sive ya mouvement ba Ugande, soki ba okopere na ba rebel Rwando bazala kana RDC, bango ba funda ka Uganda ki akopere na ba rebel wana. Ba Kongole, tout eleman. Biso nyoso, toza la bomoko. E logo ni ezo sama wakabo nyoso, parce que nous sommes divisés. Bande ko mususu, au lieu d'expliquer le problème de l'émission qui toko boto landa, ba musuba oya na uka kotia mbrima. Kotia peuple na mbou. To alia mpona ko, to li peuple a comprendre. Pourquoi pas avant armée ougandaise? Pourquoi pas basala ki aonte bongo? Insécurité angwe bandi lelo? Insécurité bandakala. Bato baza batu mabi. Ba lingi ba kongolete.
mais biso beto kotika binote biso jamais bandeko ekozala nile na ndenge makambo ezokende fati akoyoka son ya bakongolais fati akoyoka peuple na ye président de la république makambo oyo bwanile yango to forme bapolisie na biso Rwanda akotika la jamais komemela biso likambo a bien bayaka na pona be intérêt na bango yango tozosenga na bakonza mboka eti bato oyo bavoisin basala biso mabe mingi tozala na confiance na bango te ça inquiète tout le monde toyoka lisu ndekoyo bongo tokontinue émission na biso Professeur Dadi Salé, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma. On leur dit bon. Victor Ngozi n'est plus Goma, étudié à l'université de Goma. Je pense que si la RDC avec le Rwanda était couteau à double tranchant. En effet, si la RDC à travers sa police paye et a un problème d'effectif, par exemple, pourquoi ne pas recruter les jeunes diplômés et passer à l'information à l'école de formation de police basée à Mugunga? Ça se pose un problème de criminalité ici à Goma. La plupart, ce sont des gens qui passent à des frontières passoires du côté congolais. Pourquoi ne pas ouvrir une faculté de criminologie dans l'une des universités de l'État ici à Goma? Par exemple, le cas à l'UNICOM. Je pense que la RDC devrait penser à la réforme et de sa police PNC et de son armée FARDC pour pouvoir sortir de cet improbrio, car on ne peut plus comprendre des côtés les forces armées éthiques. Et de l'autre, la police ordinaire. Autant dire que nous n'avons plus ni de police capable de sécuriser la population et ses biens, moins encore une armée à même de protéger ses frontières et nous sécuriser. Également, on devrait trouver des solutions idoines et des solutions qui viennent compliquer davantage la situation. Certaines autorités sont devenues des chefs coutumiers, et au niveau de la police et au niveau de l'armée. Il serait impérieux de penser, par exemple, à la mutation des troupes et de leurs chefs, surtout que la plupart sont issus du brassage ou mixage M23, BNDP, RDP, etc. Nous sommes à chute libre. Sobera Genonga. Ben, évidemment, vous comprenez que tous les auditeurs sont préoccupés par le caractère secret de l'accord qui a été signé, dont les clauses ne sont pas clairement connues. Et un tel accord ressemble au résultat de ce que nous appelons la diplomatie secrète. Or, le droit international frappe de nullité une diplomatie secrète. Et en outre, je voudrais rappeler quand même quelque chose de très important. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que le gouvernement congolais se décharge au lieu que lui-même aille négocier et signer des accords qui s'en remettent plutôt à l'armée et à la police. Or, quand nous lisons les dispositions des articles 182 et 183, ainsi de suite, eh bien, nulle part la police n'est autorisée d'aller négocier et signer des accords internationaux. Je voudrais aller plus loin à l'article 113 de la Constitution. Alors, il est clairement écrit ceci. Et maintenant, voilà. Il est écrit ceci, article 213, le premier alinéa, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le deuxième alinéa, le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en conseil des ministres. Donc, je ne comprends absolument rien. Pourquoi une telle démarche devrait-elle être confiée à la police? Pourquoi une telle démarche devrait-elle être confiée à l'armée? Et du coup, je me pose la question de savoir quelle est la valeur juridique d'un accord signé entre la police nationale congolaise et une entité extérieure, laquelle police n'en a pourtant pas mandat au sens de la Constitution de la République démocratique du Congo. Alors, bande de kona liboso. Il y a le but qu'il fallait basa la ba ou à l'université ou basa la ba formation basa la baso ba jeune na biso nyonso ba entraîner bango
va créer biloko bela criminologie ba sala makambo belo lié qui biso toke ne recours et pas ba voisin bandeko asa batuyu balinga ka biso ti tokoki jamais koko passe makambo oyo bandeko question bandeko abaza ko tuna parce que et ça d'abord Batouyou baza déjà na réputation à ma bébé ba Kongole. Parce que le kamounyo soko, batou bata la kanan li bosse pa ma kamouane ou taki. So tal mieux bande kouare baza kouna na kota goma ki sanga, tchopo partout, ba ou ba yébi kou le kabiso. Parce que avant armée ougandaise ba ya, bango ba forsa kite ba koro y salam. Les Rwandais se précipitent pour leurs propres intérêts. Toujours regretté entourage à Fatshi. Va aider le président de la République. Parce que Makambabo, il faut aider le président de la République. Pour la Nini. Parce que les loyaux. Makambabo, il faut aider le président de la réputation de Fatshi. Donc, faut que ça entourage moko bandeko ba congolais il faut fungola miso. Ba conseiller so ba la démission faut ko aider président de la République. Parce que ça ne peut pas ekoko sala mati. Hey! Armée rwandaise, rwandaise, police rwandaise. Hey! Na pete wana ba rwandais. Hey! Na kata balabala beni. Na goma mais tu t'es capable de quoi? Tu peux aller à Goma, na frontière à Rwanda. Bah moi n'appelle pas on a quatre Goma baso tambo. Hey, tala. Et tu peux comprendre le peuple. Il y a des inquiétudes. Il y a qu'au Sakanati. Parce que Makambu Oyo, total à l'origine. Et pas wa makambo e bandi. Parce que batunyon bate belé. Toujours un deuxième point. Mbusa Nyamushi. Bouye bien président national ya RCD, KML, parti politique wana. Azon loba clairement que toujours supporté Félix Tshisekedi. Na makambo nyon soit bien, mais oya mabeto ko loba. Donc, c'est-à-dire, Batou Baza Pembe na Fatshi, il ne faut pas aider Fatshi. Parce que Fatshi, ba Congolais, ba lingi. Ton lande ou bazo loba loba wana te bate belé, ils disent quoi? Ba Congolais bazo sepele na président na bango. Mais, ezala ba décision moussousou. Oyo, peuple azo mona ke, non, Batou yote. Batou Baza libiso ma be mingi Batou yote. Sikoyo, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselou a tous les fardeaux de la Congolaise. Ba Congolais ba otomboka sur ministre de l'Intérieur. To landi wana bandeko professeur a expliqué. Oyo wana oya lobi na suka. Eh bandeko, ye a expliqué comment que situation où est bandeko parce que et sa situation mon bisous au monde va avoir mais ça grave pour moi la police et y a pays monsieur n'amboka de mineza au savanate le professeur Dadi Sele docteur et spécialiste en développement pour les pays du sud et enseignant à plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique professeur Dadi où est souka on a lobby que déjà peuple au sepela déjà te la contrat. Ndenge yé d'abord policier a couru au Kenya pays étranger te selon la constitution. Est-ce que bantourage bato baza avec Fatshi. Pourquoi bazo ça la président boy. Et où ça n'a pas si parce que tout ça na moi na mboka à la tête du pays. Moi na mboka au bisonyo il fallait tout été. Mais il y a trop de traîtres partout. Ça, c'est la haute trahison.
Nasa kwa hide fachite. So na soyo kabande kwa makongole makambazo loba. Basa sense. Ozana un mauvais souvenir. Eza lokolo zana voisin na lopango. Voisin wana aboma mwana na yo. Kozala kanda na ete. Bozala bino bien. Mais, boko koopere te. Eza lokolo mutasali yo mabaye pembe na yo a mon cher. Voilà limbisanga. To continue to solo la. No, ça va. Na sambe la ka. Na limisi na nga yo. Mais, toko koopere li susute. Bana na yon anda kuno bako tomboka. Koma papozo koopere na mutaboy. Mutu asala biso mabeko koopere na yete. Donc c'est ça. Oezo le kapou le mouma. Donc président de la République va comprendre que peuple a monike. Et que musika. Et quoi qu'on a côté Zokendeti. Batouana. Baza batouyo. Le loso biso le tout ça désordre. Na est et zabamou. Pourquoi? Baza na frontière na nord Kivu na sud Kivu. Mais biso na Uganda tout ça qu'on a frontière na likoulou. Soma la différence. Alors l'air est grave. Et zo senga. Batou entourage à Fachi. Va aider le président de la République. Parce que, on est le seul moyen de quoi avancer dans ma cambouille. Parce que le peuple congolais, ça ne passe pas. Tout le monde est en alors, et comme étant, il y a un contrat en Nyonso. Batika yango, ba Rwanda ne vende pas na bino. Police nationale congolaise, soit bana. Ce qui nombre coquité, soit bâché na goma, yebson baïa, baïa ko s'inscrire, il y a des diplômés d'État. Parce qu'il faut sa diplômé d'État pour sa policier. Wane zana constitution na biso, ba diplômé d'État basé belé, tout zwa bango pa kota na police. Bo entraîner bango, bo aider bango, entraîner salama, bo zana ba français basa wano basa ou salama ko aider. Biso ba meri batu ebele baza kwede. Zwa bango ba kota na polis to boy la polis rwandaise. Message e yokani. Alors, to komo ke na dezembo. Alors, bandeko nanga to komi na point na biso emi bale. O ba luba kasa chof bandeko. Na dezem point oyu. Eza dossier ya koalisyon. Armée ougandaise et FARDC. Bandeko, parc à Virunga et comme place sur le rebelle, vous avez un rebelle wana, na gori. Mais toujours un point. Opération FARDC IPDF, Nyamusi soutient action visant à la paix. Bande ko biso sto yebi nyamusi ba bato bo yebi o ile ka dans le passé. Mais le loyo ba yo comprendre que comme temps to soutenir moi na mboka. Makambo to yebi sagibino ne bande. Tala ba nyamusi. Ba congolais bo tala be exemple. O kaka nde ko na biso congolais. Alingi bendele ko yate. Alobi to soutenir ce qui est bon. Ce qui est mauvais, tout le bas. Yango, tout le salon a des missions. Mais ba Congolais, kaka yamabe! Kaka yamabe! Soko yoke bazo loba me o talobi me. Pourquoi tu lingi mbokate? Pourquoi tu zo critique président de la République Nandenga? Pourquoi respect même zati? Est-ce que. Ce qui président de la République, tout le monde est là comme un erreur mobile. Il faut que tu aies n'importe quoi dans la télé, dans la YouTube, on parle de quoi ce soit dans l'émission. Mais quand tu as besoin de ton côté, tu as dit que tu as dit pour la première fois, plusieurs années, tu as dit moi dans mon cas la tête du pays. Tu as dit que tu es là. Mais si tu as dit que 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 tu
Le président national de RCT, Mboussa Nyamosi, apporte son soutien aux opérations conjointes FARDC et IPDF qui visent à restaurer la paix dans la partie est. Il a déclaré jeudi 16 décembre qu'il y a un message à Nyamosi à Kinshasa, à la clôture des trois jours de travaux de la congrès naïe, y a parti na ECDKML. Nyamosi a dit ceci: nous allons poursuivre notre action politique dans le sens de soutien qui est bon et dénoncer ce qui ne marche pas. Je soutiens les efforts du président de la République fait pour remettre de l'ordre dans l'Est. Abi a soutenu Fachi Kitoko Tokos. Pona oyezo samana es baske bango ba epi ke passe to moni kuna na ese ba prison ba tia ko ya ko pesa ba idea ki to kote kaka fachi mudena bongo prison po to supporte ete botika motema mabe kongole na motema mabe a epi ko bongisa te soki li kambo sala minute a police congolaise me soko yoki be mission mawato to linga mboka. Soko lingi mboka na yo linga président de la République. Botika makambo wana. Oeza mboka na biso. Mutu nyonso azana bere. Boyo kanyamusi azo laksa ba kongole koma. Ndeni totambo la kanavi. Alubina azo soutenu efora fachi. Il a pris de grandes mesures a affirmé Mboussa Nyamosi. Abi fachi ajima mesure moko a makasi. Bande kotala. Gera esa tuzo mwono kaka kwe. Fatia tuba decision mwoko po na gera esi sila. Mebo yebika mutsoza na problem. Chite okwe na piege oyu ya polisi wandezi. Azonu kama kamwe sila. Mebo komprande kaka. Ba trete ba zebele. Metoko tika binote. Toza wanto mwana kula na bino. Kaka na sima. Kongo News 24. Omo na bino bandoki ya Kongo. Toko tika bino te. Toza na bino hao. C'était d'abord l'état de siège. Il a estimé que ça ne fonctionne pas totalement à la satisfaction de la population du Congo. Nyamo salopi. Fatia ban état de siège. A moni kizo tambo la pena na ndenge ya linga kiti. Ah non. Tala. Nyamo si azo raisonné. Po ede yonde ko kongole ta boko yo ka eto ko tche la bino yi. Bo eke biso yaka toujours na ba preve. Non, ma kongole to telemako, boni bo, quel esprit. Il a estimé qu'il fallait renforcer cela avec l'arrivée des troupes de l'Ouganda. Nous soutenons tout cela parce que cela va dans le sens de rompre la loi de silence sur les actions graves qui se commettent sur nos populations. A poursuivi Mboussa. Babi, décision kaka pamba. Oye asololi na ba Ugande, eza djako lakisa. Ndenge ni nazo linga, mboka, ekende liboso. Voilà! Mais koma biso ba Kongole, tozo zala na esprit ya boi. Non. Totelima. Totika makambo oyu. Biso nyos to soutenir action oyo bandeko. Parce que zo ke dans le sens il y a intérêt ya mboka. Biso nyos to zala sima ya action oyo. Alors, to yoka Nyamosi, bon to continue mission na biso. Nous l'avons dit au sommaire. Mboussa Nyamosi apporte main forte aux initiatives du pouvoir en place concernant la sécurisation et la pacification de la partie est de la RDC. Le président national du RCD-KML, tout en soutenant l'initiative de l'appui de l'armée ougandaise dans la traque des ADF, insiste sur la nécessité de voir l'État congolais trouver lui-même des solutions aux problèmes qui touchent à son intégrité. Déclaration faite en marge de la clôture, ce jeudi ici à Kinshasa, de trois jours de travaux du deuxième congrès du RCD-KML. À l'issue de ce congrès, Mboussa Nyamosi a été reconduit au poste du président national du parti pour un nouveau mandat de 7 ans. On écoute Mboussa Nyamosi dans cet extrait que nous propose
Billy Ivan Lutumba. Nous allons continuer notre action politique dans le sens de soutenir ce qui est bon, de dénoncer ce qui ne va pas aussi. J'ai bien dit que je soutenais les efforts qu'il fait pour remettre l'ordre à l'Est. Vous savez qu'il y a eu des massacres innommables, qu'il continue d'ailleurs, mais il a pris de grandes mesures. Nous dénoncions, je crois, dans un de nos communiqués, il y a quelques temps, qu'il y avait en Omerta une loi du silence sur les massacres graves qui s'est passé dans cette région du pays. Il a pris des mesures, nous le soutenons, c'était d'abord l'état du siège. On a estimé que ça ne fonctionnait pas totalement à la satisfaction des populations du coin. Et il a estimé qu'il fallait renforcer ça par l'arrivée des troupes d'un pays voisin, en l'occurrence l'Ouganda. Nous soutenons tout cela parce que ça va dans le sens de rompre l'omerta, le silence sur des actions graves qui se commettaient sur nos populations. On espère que tout cela va bien aller. Encore une fois, ce ne sont jamais les étrangers qui résoudront nos problèmes, c'est nous-mêmes. Nous devons nous préparer à assumer nos responsabilités. Par ailleurs, à l'Assemblée nationale, les députés ont voté hier jeudi, sans débat, la 14e prorogation de l'état de siège en Ituri au Nord Kivu. Dans son exposé des motifs, le ministre d'État, ministre du Développement Rural, François Robota, a motivé cette énième prorogation par la persistance de la situation d'insécurité au fin de permettre aux forces armées de poursuivre les opérations de restauration de la paix dans ces provinces. Alors, bande de Kotolandi Bissonyonso, oh, bah, le baka ça chauffe dans cette émission. Il y a aussi Azaki Claire Bandeko. Parce que ma situation où tu vivre Bandeko Nangai, et je sais que nous sommes tous à la Bomoko. Parce que ce qu'Otali, Ndengeni Bandeko Bereba souffrir, Kuna Tulani, il y a aussi Wana. A l'obéke, à mon équipe, état de siège, je t'envoie Ndengi, il fallait pas. À Sengi, armée ougandaise. Abibouane Zon Laksa, volontaire chef de l'État, de bazo soutenir Fatih à 100%. Bon, yon de Konanga Congolais. Ceux qui va nyamousi lelo to yebi, va comment soutenir Fatih Boui. Bon, yon de Konanga Congolais, place aux Aouza Wapi. Ton l'an de ma faux discours qui, ma faux discours est ton gambokati. Pour bon, moi, la kebisu to yebi, ma kamgolo ba biente, tant de tout polémique ne ma kamboa police. Au lieu que tu aies sa conseil, au lieu que tu aies aidé le gouvernement, comme la police rwandaise, mais tu as au boulot, et ça qui est ton côté. Alors, il y a aussi ça qui est vraiment clair pour ma camou. Parce que, mon carabis, il y a des coups, il y a des coups de l'Est, il y a des coups à mon ami, comment ma camou a tué ça et coulé. Nous soutenons tout cela. C'est parce que cela va dans le sens de rompre la loi du silence sur des actions graves qui se commettaient si nos populations a poursuivi Mboussa Nyamwisi. Bandeko, Eza Makambo yubozo mona keza grave. Makambo biso vivre nan. Ma situation moko a passé. Mais EDC, un jour, et que comment kuna pena kimi et kokota. Congolais, ton lukato sangana. Tous en baïde le kola ndengo yoki, président national à FCDKRM, Mboussa Nyamwisi Alubi. Souci à Mboka Nyamwisi Azolo Bayam. Nous soutenons notre président de la République. Toi, il va me dire que critiquer. Bah, il va me dire que problème quoi. Tout le monde qui est gouverneur à salaire RN à la police rwandaise. Et là, on est au sol. Toko lo, bande bande ko bazo le lande to lana de bawana. Bande ko bazo crier passi. Ba député wana. Na ba député opposition bazo lo bawana. Soko lingi mboka. C'est comme ça. Que le Kamoko y a l'été, telemeli yango, le Kamwana, y a Rwanda, on est salamate. Y a Uganda, bande koto supporte yango à 100%. Moutou a ko supporte Uganda, te botale bien, a zé infiltré. Et za ya ko inda, et si y indi. Toki ne siko na park a virunga. Ah, mboka na biswa. Et de so yu za na ba problème. Donc, er monso na vaningamon emission na bien mboka na nga.
rebelle na gorille bazana kata parler mo rebelle na gorille bazo copire côté wana côté na nga monsieur gorille gorille pa rebelle côté déjà côté na nga botana makabo sikoy quand on voit tout ceci banane bazo dirigé par Kavirou. Est-ce que parc à Virunga, il y a Virunga, ça clôturé ou pas clôturé? Voilà la première question de ce tour. Ce que ça clôturé, ba rebelle ba koti, comment, ti, quoi, au coup, ba koti n'denge nini. La situation est sérieuse. Et ça m'a kamoto, zongo pena sérieux, bande konanga. Parce que, rebelle a zotala nana gorille. Et ce pays qui est au côté. Aux hommes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Juste avant, les lance-roquettes multiples étaient entrés en action depuis le camp militaire de Simuliki, une ancienne base de l'ONU située à l'intérieur du parc où 15 casques bleus tanzaniens avaient été tués par des ADF en 2017. Célèbre pour des gorilles de montagne qui vivent dans sa partie sud, le parc est aussi utilisé comme base arrière par divers groupes armés qui sévissent depuis un quart de siècle dans l'est de la RDC, dont les ADF dans sa partie nord. C'est là où un OG provisoire conjoint a été installé, donc au quartier général, dont un QG provisoire. Conjoint a été installé, un thermos de café est posé sur une table de camping des généraux ougandais. Kanyanja, Muyanga et le Congolais Bertin Poutela discutent des opérations. Pendant que les fantassins de l'unité congolaise combattent dans les gens des jungles et l'unité ougandaise des montagnes s'enfonce dans la forêt. Bandeko, qu'on appelle pas que tia siège quartier général, ça allait bien. Parce qu'on n'a pas de rebelles pour ne pas ça. Donc, surtout, on comprend les vraies stratégies. Mais le jour, ça n'a pas si ça que. Les rebelles sont côté de la parc. Les bombes sont en train de se faire à côté du parc. Parce que le parc, il y a des gens qui ont boulé. Mais il y a des soldats. Il y a des jeunes qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se Ba faire des scènes à l'écolo, pémera nyamoussi, wana ba soudan à katazam. Tala na sewa, na sewa arbo gandese, tala na sewana, bokomona rebelle wana. Ao tala na gorille. Omona koma, mboka na bisou ningisa. Yango ba congolais, ceux qui bino bozo, wopé sa bien fwa ki to kote, bozo tia ba polémique, bozo tia, eza ki to kote. Où est un moment où il y a une polémique? Où est un moment où il y a des choses? Où est un moment où il y a des choses? Mon copo, guerre ou un essil? Tolinga Mboka! Ah! Et mon arrêté, bana kimbo zawapi. Bino bena. Ce que tu as dit, bana kimbe, balinga Mboka, na bango mele loyo. Bana kimba, koma na bango mele en Europe, donc. Balinga, bakoma koloba n'importe quoi, ma kamwa ma be. Bade ko tolinga Mboka, oyo. Un jour, tu ko sepe là. Buka si passion nzamba kutiki continue, no. Ezana makabu ebele. Yama beza na mboka na biso. Ba pasteur vibo tiaka edese na mabonde. Ya des choses qui ne sont pas claires. So gota me ba biloko abodo, eza clarté. Ba rebel na ba gorille, ya ba gorille ensemble. Makabu ebele zo sa mama be, peyi. Et le col a donc battu belé, parce que quand ma bénio sur Mboka, il y en a trop des infiltrés, trop de battements sur Kamabé, Mboka Rabissou. Et comment le quoi théâtre mon Kamabé, non. Totalement. Tout convaincre. Alors, dans le Korangaï, Nyamouchi, à l'obéli ba Congolais, tout l'an d'exemple, il y a du temps. Bande l'émission, tant que le bon Nyamouchi à l'obéli, et qu'on aide un de Koranga, oh, tire les autres à la contre. Mboka na yo moko. Eko change vina yo. Alors, to tiki malo ba nyamusi na maboka ba Kongole,
tokomo kendena troisième point. Alors bandeko pone bisu asuka toko division wa deux bandeko nangai. Première partie bandeko toko lobasi mafia oyu ya quatre officiers supérieurs oyu bakangi bango pi oyezo leka na kati ya FCC de Kabila division totale boyoka oyo dynamique FCC balupi bandeko ba officier oyu bangonde pena bato ba trahir mboka boyebi makambo elekaka boyebi oyo tangwa misi azalaka kuna na est pona makambo oyo ya mafia wana oyo fachi ye moko azalaki preza monaki yango apres kosambisa bango bapreuve monani baza bato balingi mboka te soki lelo mboka wana ekomi potopoto eza mpona batabo lingi mboka te ezosala mawa quatre colonels et puis na commissaire supérieur principal ya ba police ça fait mal ba pesi bango nyonso wana bandeko oyo kaka suka condamné à 10 ans de prison et je sala pasi pe mawa komona koma bato oyo basali dezu ba détruire mboka. La haute cour militaire en matière représentative en chambre foraine a condamné en appel le colonel Robert Casson, Bruno Nguandele, lieutenant-colonel Delphine Sadiki et le commissaire supérieur principal Laurent Comboy à 10 ans de prison de servitude pénale principale SPP, chacun dans sans admission des circonstances atténuantes pour détournement des deniers publics et faux et usage des faux. Boyebi mama na kedaka na wenzabunya. Mama Francine boyebi li solona. Usage des faux. Bake ba du facture ya wenze pa mama Francine na bunya. Bake ba sala mo masulu. Et sa mawa. O liki ba militaire ba lia kitoko. Ba sala vraiment bango. Ba ji ba pla ya ba na ba plan na biloko na ba mbongo ba militaire ba lekana. C'est ça, et ça sonne. Ce n'est pas possible. Donc, si on a la bilo kaboui, et ça peut sa mawa. Parce que, ba soda on en affront, il faut baza batmo ba traiter bango bien. Et surtout, na moment où, et ça peut opportunité, on peut sa message, et pas ba colonel nyo se baza na kata terre. On va bundana ba Ougande, on va bona ba Ougande ensemble, on va zo bundele ade, to bundana ADF. Ba policier na si fou ba l'attaque kito. Fou ba lia kape bien de ba Ougande ba za koulia. Pas se sote ko za la somme. Mais de toute façon, ba si ba du leçon, parce que arrestation so ba bami bango 10 ans, c'est parce que ba bomi mi li mwa patu. Nde ba za ba zo tambo ana ma kila ba tu na maboko, ba colonel wana. Yo pene ba pesio grade a colonel. Na ipite. Eza pasi bande kuna mba. Nde to yo kakake. Deze infiltre bo kanta deke. Eza ba batusia. Ya osi de utu. Me baza ba kongolite. Me baza ka ba fasi na biso. E utu. Azane na kate. Maza kongolite azo trahi mboka. Alo soto omo na biloko abui. Esa la kapasi. Dans ces cinq arrêts rendus tard dans la soirée d'une audience publique constatée mercredi par la CIP. Donc, usage des faux. Bon, usage des faux, on va s'aller à un papier, bango, et ça, dans cinq ans, dans ces cinq, et ça, dans cinq arrêts, je m'excuse, cinq arrêts, oyo, et ça rendu que 10 ans de prison pour la bango nyoso. Reconduit
les peines du premier juge a également ordonné la destitution de ces condamnés des forces armées, tout en réformant partiellement les jugements du premier degré concernant restitution de 180 000 francs congolais et 200 000 par chacun, par chaque prévenu. Batona basala mafia fati et moi kutaka yango et mené comme étant après jugement bakate la bango et tout bandeko baso kende 10 ans de prison pour bao mouchouana ba mekate et si tu kena kata terrain tout ça n'a pas paya boue sa tu sonite bosala moussala ki toko ne bo gande basa kousan pour tous en a besoin guerre on a essayé là mon tu as comme kambalo bon bambe à 20 ans ou à quoi il va ya la ba dernier public on est acquis il y a pas militaire ou à la condamnation à bon surtout les canards FCC Kabila division totale boyoka dynamique FCC semi pour agir matimbo en créant la fronde pour candidater la dynamique progressive veut sauver le FCC des mains des caciques. Abie Loko et Salamaki, pour sauver le FCC, Oyu, Batouana, tout le monde va vendre la messa, va bébisaki. Mais est-ce que Batouana va bébisaki? Est-ce que je ne vais pas vraiment peuple à tiens en confiance? Nandimité. Donc, son hôtel est impossible. La dynamique progressive révolutionnaire, un courant créé au sein du Front commun pour le Congo, a répondu favorablement à l'appel lancé par le bureau de l'Assemblée nationale en déposant le procès verbal de ses délégués pour les trois postes de l'opposition vacants à la commission électorale. Ou à tout ça que nous avons mis à l'objet. Kebakino tika tchaba kombo. Mais le lot, bango ba lobby ki, baza ko sauvé FCC. Est-ce que FCC cause à la sauver? Est-ce que Bango va coquille benan makam ba kosal makamunyo so mabe ba sala elimisa nandimité donc ezo mwana clair ma bande koké est impossible parce que makambwana tunde nge salama et salama ki na denga kitokote alors est-ce que Bango deni ba coquille ko qu'on change en haut et comme à Kito. Et ça, point d'interrogation. Mais bah, je n'en ai pas le bazar déterminé. Dans notre famille politique, les gens que nous citons, les caciques, sont toujours réagis et agis au nom de l'autorité morale Joseph Kabila. Mais souvent, c'est très faux. A lui, Batouana Nyonso, au bon cacao, au nom de Kabila. Au nom de quoi, je n'en ai pas le bazar. Mais basala kana bango le côté. Mais ba loi ke basa ko agir au nom de Joseph Kabila. Wana ba jeunes ko bazo funda ba vienne bango. Ça chauffe à wana bandi ko nangai. Kabila a l'essence élevée républicain, c'est un patriote et nationaliste quand il peut s'entretenir dans les méthodes de blocage. Nationaliste bon. Patriote. Bon boko veut koufa vraiment. Pendant les 18 ans, beaucoup de couvres. Ouah, tout ce qu'on a bien. Avançons. Nous avions compris le jeu de ces caciques. Et nous, les révolutionnaires, notre première mission était de mettre un terme à la vie politique de ces casques. Je m'excuse. De ces caciques. Je vais essayer de faire une carrière politique. Ces derniers qui ont tant bloqué l'esprit d'origine de Kabila ne peuvent plus avoir la place sur la scène politique. Abi Batouana Nyonso, est-ce que Makambo Bajino Bazo et Batouana Nyonso Babsa Lukuma Kabila Bakuki j'avais comme moi sur la scène politique? C'est comme Makambo Yazolo Banana Tini. Et là, on a une émission pour ne pas camboire. Pourtant, on a bien. Bah, il y a un bateau qui a fait le coup de Kabila, qui a fait le coup de Kabila. Ne peut plus avoir la place sur la scène politique. Donc, il y a un bateau qui a fait le coup de Kabila.
que c'est la vérité. Tout le temps, là. Tout le progressif, dynamique, tout le temps, bino boza mena kote ya yeme. Ces derniers qui t'ont bloqué l'esprit original de Kabila ne peuvent plus avoir la place sur la scène politique. Nous n'avons pas trahi Kabila parce que nous n'avions pas dépassé les bornes. Nous restons FCC, nous restons des kabilistes et nous voulons que le pays marche. A dit mercredi 15 décembre 2021, le député national Agé Matin. Jeune député Agé Matin, moi, l'homme qui est. Bisous, tu vois, belle, ça m'a comme à Kabila. Bisous, tu allais à Poto bloquer. Bato, nyonso. Oh, bah, ça, la politique, alors, bah, n'a un ennemi. Bato, tout va vendre, mais ça, on a tout bloqué. Bah. Et c'est la vérité. Bois, tout petit, quand on a bien. Bande de coton, bah, non, comme on a fait, monsieur. Bois, abonnez massivement. Bois, partagez. Au revoir. À la prochaine.